Eh bien bonjour à tous et à toutes, c'est Frigiel, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre aventure sur Diversity avec notre nouvel invité. Il est fou, oui, tout simplement, écoutez. C'est Xef, salut, ça va? Salut! Ça va et toi? Ouh, eh ben écoute, moi aussi ça va super. C'est vrai que ta petite tête de barjo m'avait manqué. Avec ton sourire. Oui, ton sourire séducteur. Un peu spécial. Séducteur ou alors, tu as raté en mettant du rouge à lèvres? Hein, c'est peut-être, ouais. On ne sait pas. Aujourd'hui, donc, on va reprendre un petit peu la relève de cette série. Alors, j'avais déjà invité 4 personnes différentes, notamment Furious, qui j'avais invité d'autre. Alors, attention, faut que je fasse travailler ma mémoire. New Titeuf, Sifano, et le dernier, c'était qui? Et Brioche, voilà. Ah oui, c'est vrai, Brioche, avec le labyrinthe. Le labyrinthe, voilà, exactement. Et donc aujourd'hui, il nous reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 épreuves. Tu as donc le choix entre 6 épreuves différentes, notamment donc Adventure, Arena Trivia, Survival, Puzzle et Boss Battle. Bon, Boss Battle, on va se la garder. Donc on va dire 5 épreuves différentes. Donc je te laisse choisir, c'est l'invité qui décide à chaque fois. C'est moi qui ai le maître mot. Oui, voilà, c'est toi qui vas décider. J'ai envie de me casser la tête aujourd'hui. Je vais choisir le puzzle. Le puzzle ? Oh là 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 là, cet homme est suicidaire. Je sens les pistons et toutes les... Oh là 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 là. Allez, on va se casser la tête. Hop, on va dans le téléporteur. Et j'espère que t'es doué au puzzle parce que là, on va creuser nos ménages. Là, on va souffrir. Indice, restant 7. Ah, il y a des indices. C'est pas plus mal. Alors, on arrive dans cette salle-là. Alors, il y a écrit un truc dans le chat. Donc, non, ce n'est pas bon. C'était supposé être une séquence. Une suite, c'est ça. Something up. Donc ça, je sais pas ce que ça veut dire exactement. Donc, au début, le jour. Ok. Il y a beaucoup plus. Maintenant, le livre. Vous avez besoin de ce livre. Oula. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça va beaucoup trop vite. Oh là là. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça va beaucoup trop vite. J'ai même pas le temps de finir de lire. Donc ce livre peut être utilisé pour obtenir des indices ou retourner au hub. Donc on ne va pas appuyer sur le livre tout le temps vu qu'on ne peut avoir que cet indice. Il y a 4 indices par puzzle. Le premier indice de chaque puzzle est gratuit. Ah, le premier indice de chaque puzzle est gratuit. Super. Et le coup après c'est quoi? Ils le disent au moins? Toggle Pillar. Qu'est-ce que t'as fait? Il y a des trucs qui ont disparu, là. What? Quoi? Alors, on peut changer l'affichage des piliers. Ah ouais, d'accord. D'accord. En fait... Ok. Ça bip de partout, tu te dis, est-ce que c'est bon? Est-ce bip, que c'est bip, pas bon? Vas-y, viens, on bip un peu au hasard, pour essayer de comprendre. Donc ça allume et éteint les lumières. Ah, attends, mais oui! Est-ce qu'il faudrait pas... Et là, on peut sortir là? Non, on peut pas sortir. Est-ce qu'il faut allumer toutes les loupiottes, en fait? Peut-être. Attends, je regarde si elles sont toutes allumées, déjà. Est-ce qu'elles sont toutes allumées, là? Ah, ici, il y en a une qui est éteinte. Enfin, en tout cas, c'est pas éclairé, ici. Comment ça se fait? En fait, voilà, quand il y a une zone de sombre, ça veut dire qu'il n'y a pas la lumière. Okay. Donc là, Si j'appuie là... Là, t'as éteint une lumière, ici, par exemple. Ouais, j'en ai allumé une. Oh là là! Au-dessus de ma tête, on a éteint une. Et attends, si je fais ça... Ouais. En fait, là, t'enlèves les piliers, mais en fait, c'est pour voir où sont, ouais, mais justement. Où sont les lumières manquantes. Là, par exemple, où sont les lumières manquantes? Ici, là, tu vois, il en manque ici, une. Ouais. Et ici, là, ici, je pense. Et là. Et là. Au croisement. Ouais, il manque 3 lumières, là, par exemple. Je vais lire un indice avec le livre. Alors, attends, je remets les piliers. Voilà. Alors, vous voulez un indice? Écrivez indice dans le livre. Donc, on va écrire indice. Toc. Vu que le premier est censé être gratuit. Alors, ok, voici votre indice. Donc, regardez les lumières du plafond, regardez ce qui se passe quand vous actionnez les plaques de pression. The light have to... Ah, il faut éteindre. Il faut éteindre toutes les lumières, d'accord. Il faut voir le comportement de chaque interrupteur, en fait. Bah, j'ai l'impression. Mais après, on peut tenter d'appuyer. Ah, d'accord, j'ai compris, en fait. Ça change un peu au hasard. Ça change la position des glowstones. Oui, en fait, ça les... en fait, non, je pense que tu as raison, tu vois. Quand tu appuies sur l'interrupteur, c'est pas aléatoire. L'interrupteur enclenche une action. Donc par exemple, là, je fais apparaître la lumière et je l'ai fait disparaître. Donc chaque interrupteur a une action. On dirait que ça fait une ligne. Attends, rappuie dessus pour voir. C'était celui-là, regarde. Toc. Ouais, t'as raison. Ah, ça fait les... Il y en a 3, non, ça fait ceux qui sont...
Non, mais ils ont tous une interaction différente, je pense. Non, ça fait tous ceux qui sont autour de toi, en fait. Ah ouais? Regarde, si j'appuie sur celui-là, par exemple, normalement, celui qui est au-dessus de moi, il va s'allumer. Ah ouais, t'as raison. Vas-y, si je fais ça. Ouais, c'est inverse, okay, en fait. Ok, donc ils ont tous la même logique. Déjà, ça, c'est bien. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire... voyons voir. Donc là, là, ça va faire apparaître ici. Attends, si je fais... Il faut peut-être commencer par les coins, en fait. Ouais, exactement, c'est ce que je pensais faire. On va commencer par les coins. Donc, je vais commencer par éteindre ce côté-là. Essaie d'éteindre l'autre côté, toi. Voilà, en donc fait, ici, c'est là. Éteint. Là, c'est éteint. Toc, 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 toc. Ouais, c'est complexe, quand même. Hein. Là, c'est éteint, sauf qu'il reste... De toute cette rangée, j'ai tout éteint. Ah, non. Ah mince, attends. Sauf ceci. Et là, il s'éteint. Toutes les lumières doivent être éteintes. Waouh, compliqué, quoi. Ouais, j'avoue, putain. Attends, c'est on est pas mal, là. On est pas mal. Attends, bouge pas. Ouais, on est pas ça. Mal, mais... Voilà. Donc là, tout ce côté-là est éteint. Ouais. Donc si je fais ici... Voilà, et ici... Ah! Ça bouge trop! Trop de choses! Trop d'interrupteurs. Je pense qu'il faut qu'on arrive à cerner la logique de fonctionnement. Mais on n'est pas trop mal pour l'instant. On n'est pas trop mal encore. Hein. Ouais. C'est n'importe quoi, on est en train de faire n'importe quoi. Là j'ai réussi à... Non mais là j'ai réussi... Regarde, toute cette ligne là, elle est éteinte. Hein. En vrai, on progresse. Bah là, celle-là aussi. Mais en fait, je sais pas. Il y a un petit... Ah ouais, d'accord. En fait, il faut vraiment pas faire gaffe à ceux qui sont derrière l'espèce de damier, là. Au sol. Ouais. Oui, tu t'en fous. Regarde, franchement, on a progressé. T'en penses quoi? Regarde, il en reste plus que 4 d'allumer. Il reste que 5 lumières d'allumer. Eh, pas trop mal. Voilà, bon, elles sont encore plus... On est retourné à un niveau convenable. Ouais, convenable. Celles-là, elles sont parfaites, les trois, là. Ouais. Pour appuyer. Non, mais en fait, elles sont parfaites parce que... Si on appuie dessus, elles s'éteignent directement, quoi. Ouais. Donc, en fait, il faudrait peut-être arriver à déplacer celle-là ici, là. Mm-hmm. Et après, tu la fais déplacer là. Mm-hmm. Et ça en fait 4. Et après, on a gagné. Attends, vas-y, si je fais ça. Il faut la mettre ici. Vas-y, si je fais ça. On va essayer. Hein, ah non, il en faut 5, il en faut pas 4. Ouais, il en faut 5, mais peut-être qu'en déplaçant celle-là, on va... Regarde. On va en recréer. Parce que si j'appuie là... Ça allume celle-là aussi. Ah, vas-y, on va essayer. Alors, stop. On va réfléchir à chaque fois. Donc là, si on fait ça, tout est éteint ici. Donc on perd 1, 2, 3, 4 lumières. Il nous en restera 3. Que si t'appuies là, c'est la folie. Bah, si t'appuies là, tu auras appuyé là où tu viens d'appuyer. Donc. Ah, mais après, une fois que t'appuies là... Je sais pas si ça... Vas-y, essaye. Ah non, t'as raison. Attends, prépare-toi à appuyer. Alors, j'appuie d'abord. Vas-y. Tu vois, là, t'as tout éteint, il en reste plus que 3. 3 ? Non, il en reste 2. What ? Attends, en plus, elles sont sur les bords, c'est pas mal. Parce que sur les bords, il y a moins d'actions qui se produisent quand on appuie. Je pense qu'on est bon, là. Moi, je dis... Ah non, mais si t'appuies là... Là, on a jamais fait un truc aussi bien, pour l'instant. Ah, on commence à comprendre le truc là. au bout de 20 minutes. C'est pas possible. Oh là là. J'espère qu'il n'y en a pas d'autres encore plus compliqués quoi. Moi je pense que. Si t'appuies là, celle-là elle s'allume. Sauf que pour éteindre celle-là, il faut appuyer obligatoirement là. Attends, je vais tester un truc. Imaginons que j'appuie ici. J'appuie là. Et je réappuie là. Tu les as déplacés sur... Maintenant j'appuie là. Et tu vois, je les ai déplacés à côté les deux. Ou alors j'ai remis le... Non, tu les as déplacés d'un cran là, je crois, non Non, je crois que j'ai remis comme tout à l'heure. Mais c'était stylé. C'est pas mal. C'est un peu... Et si on fait... Moi je réappuierai là. Ouais, mais là tu les éloignes. Attention, retiens ce que tu fais. Donc on appuie là. Ouais. Ok. Ah, mais non, mais du coup j'en ai fait 3 fois plus de lumière là. Bah, c'est pas grave, il faut appuyer autre part après. 3. On est à 3 lumières là? Ouais.
Si j'appuie là. Bah là, tu remets. Mais il y en a toujours 3. Comment ça? Non, il y en Ah a non, il y en deux. a Non, 2. t'as remis, t'as remis. Ah oui, d'accord, bon bah. Ou pire, j'ai fait appuyer. Bon, c'est bien beau tout ça, mais si je fais ça? Et si je fais ça? Ah, elles sont. Elles... Et ça? Oh! Oh! Putain, t'as appuyé là? T'appuies là, il y a ça et ça et ça et ça qui pète. Oui, Il en reste vas-y. plus qu'une, vas-y, il en restera plus Fais-le. qu'une. Fais-le, fais-le. Il en reste plus qu'une! Ah non, plus que deux! Ah mais Et ça a on est pas au bougé. retour au point de départ. Oh non. J'en ai marre. Je vais me mettre en position latérale de sécurité là-bas, si tu me peux bien. D'accord. Pendant que je vais récolter un autre indice. Donc éteignez les lumières à l'extérieur, c'est fait. Donc Ok, donc ensuite en fait progresser. on a fait la bonne Et méthode. honnêtement, je pense qu'on a fait la bonne méthode et je pense que là, la plupart de nos abonnés ont peut-être déjà trouvé la solution. Parce que je pense qu'on est vraiment très proche de la solution. Moi, c'est comme ça que j'aurais résolu le casse-tête. J'aurais mis les trucs au bord. Ah bah Bah, non, là parce que du ils coup. viennent de se dire qu'il faut enfin, ils viennent de dire qu'il faut se servir des trucs, mais en faisant d'abord le fait de tout éteindre d'abord. Commencer par éteindre toutes les lumières Ouais, à de l'extérieur et ensuite l'extérieur et réduisez le plus après. possible les lumières dans la salle, ils disent. Donc c'est le cas. Bon bah vas-y, on va passer à l'indice suivant. Toc. Bah d'accord. En fait, maintenant tu fais ça, t'as gagné. En fait, fallait faire ce patron-là. Bah je te l'avais dit. D'accord. Tout ça pour rien. Sur quoi t'as appuyé? C'est toi qui as pu être seul. Comment c'est toi C'est qui as toi qui as appuyé? appuyé. Ah! Les Voilà. indices! On a Ouais, trop réussi! bien. Non. Pourquoi ça lui est... Ah si, c'est bon, on a réussi. Et sans tricher. Ça va, c'était cool, c'était cool. Ah! Ah. Waouh, magnifique. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Et au moins, on a eu... Si on va là-dedans. On a le... Comment dire? Ah. Ah! Oh. Trop Ah! fort. Un bouton. On a insisté, on a insisté avant d'obtenir le résultat. Qu'est-ce que c'est que ça? Pièce de puzzle. Ah, on peut regarder la réponse si tu veux. Tu veux regarder la réponse? Ah, c'est un puzzle. Non, regarde pas la réponse. Si? Où Oh, ça? c'est trop bien Où est-ce que ça! tu peux regarder la réponse? Ici, Ah non, là. check answer, c'est pour vérifier si on a réussi ou pas. Je sais pas ce que c'est censé représenter. Tu me passes des Donc, pièces? bah prenez, elles sont dans le coffre. Ah, il y en a Donc, dans le coffre. ce qu'il faut faire, c'est faire les bords toujours. Bon, ça c'est facile, c'est Bon, cool. j'en prends un petit peu. Vas-y, prends-en. En fait. Je sais pas si c'est un bord, ça je pense pas, mais on va Alors, le est-ce qu'on mettre peut là. cliquer là, là? C'est pas un bord, ça. Mais on peut les tourner, les. Oh non! Qu'est-ce que ça fait? Non mais c'est pas un bord ça! Ah si, c'est un bord. Non c'est pas un bord. Je pense pas. Attends, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça tu vois c'est un bord ça. Ouais, mais ils sont pas. Ah oh, c'est pas le bon bord mais c'est un bord. C'est très. C'est un. Oh là, il y a du rouge là. Ah, là, il y a un truc de. Une lanterne de redstone dans ma main. En fait, il n'y a pas vraiment de bord, j'ai l'impression. Une En fait, lanterne de il faut. redstone. Ouais, au moins ça peut être un élément sur lequel on peut se. Ah, je la vois, regarde, elle est là. Attends, mais j'ai la même. Regarde. Ah ouais? Quoi? Quoi? Non, c'est un peu différent. Elles sont un peu différentes, mais elle est plus. Enfin, je sais pas si c'est. Non, si, ouais. Ouais, tu as récupéré une. Bon, Magnifique. essayons de mettre les pièces au hasard et on va voir si ça. Si on arrive à décrypter quelque chose. Ça te va? Si on arrive à imaginer une image avec toutes les pièces. Oh, regarde, j'ai fait une liaison magnifique. Oh oh! On progresse. Mais moi, je crois que le pire, c'est cette pièce-là, en fait. Une espèce de truc rouge. Oh! C'est Ouais, t'as bien, ça, c'est raison, parfait. là. Le truc rouge. Pas tip top, hein. Attends, mais j'en ai encore une, là. Pièce.
Waouh. Alors celle-là est très cocasse. Il y a tout qui est... Tout est... Attends, mais c'est bizarre parce que... T'as mis toutes les pièces dessus pour voir? Non, pas encore, non. Bah mets-les tout en vrac, comme ça on regarde si on peut pas faire une liaison rapidement. Bah tu viens d'en faire une là. Je suis pas sûr, mais j'ai l'impression, ouais. Ah! Ah! Redstone. Celle-là, tu... Ah, il y a un bout de torche, foutre un petit bout de torche. C'est toi qui dois l'avoir, hein. Sûrement. J'ai l'impression que ça c'est un bord, regarde. Déjà, regarde, on va essayer de faire le bord ici. Tu vas voir. Ah, attends, regarde! Ah, t'as récupéré la pièce. Le rouge, il va là. Si tu fais un Attends. bord. Si tu fais un bord, le Attends. rouge, il va là. Tu vois le... Ah, du coup, t'as changé. Alors... Ah, regarde, 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 regarde. Là, ce que j'ai fait à gauche, pas trop mal, non? Mais du coup, il faut monter cette pièce là-haut. Pour enlever ça. Vas-y, monte là. Ah, c'est pas mal ça, c'est pas mal. Et... Attends, j'ai ce qu'il faut, je crois. C'est ça, non? Moi, je dirais... Ah. Ah non, ça marche pas. On progresse, on Ah progresse. bah alors du coup, ça veut dire que celle-là, en fait, elle est sur ce côté-là. Non, 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 laisse-la sur la gauche. Même si c'est peut-être pas ça, mais laisse-la. On essaie de faire un pattern, en fait, tu vois. On va essayer de faire un Moi, je pattern. dirais que, en tout cas, Oups. ces deux-là, là, avec la redstone, enfin les lanternes, là, ce petit bout-là, il est tout en haut, là. Je l'aurais mis tout en haut. Genre là, ici. Tu vois, ici. Là. Vas-y. Ah, bien joué, en effet, j'ai l'impression. On va faire ce que tu dis. Toc. Toc. Par contre, non. Il est où le petit bout noir, là? Il était là. T'as une lanterne avec un bout noir quelque part dans ton inventaire? Je vais te montrer ce que j'ai, je vais le poser. Voilà, j'essaye ça. Ah, non, c'est pas ça. La seule pièce avec un petit bout noir, en fait, c'est celle-là. En bas. Celle-là. Elle peut être en liaison avec celle-là. J'avais essayé, je crois que ça marchait pas. Ouais, mais peut-être que c'est une question de sens. Attends, je récupère ces deux pour voir. Regarde, il y a deux pièces en bas, je vais voir si je fais ça. Et si je fais ça, regarde, ça se lit, hein. Regarde en bas. Ah, le petit bout noir, je suis désolé, Ouais, c'est... ça se lit, le bout noir se lit. En effet. Ah, j'ai récupéré un truc là. Ah, tu peux me le donner? Vas-y. Donc on sait toujours pas ce qu'on est censé représenter, mais on progresse. Moi, ce qui me paraît bizarre, c'est que la torche, elle est pétée, là. Enfin, elle est coupée. Regarde. Ah bah voilà. Mais c'est pas possible, c'est pas... Tu peux pas le... Ah, attends. Ok, Ouais. attends. Je regarde ça. Celle-là, il est là. Elles sont forcément en haut, en tout cas, Oh, non, ça je c'est sais, sûr. mais... Ah, ça, c'est même pas lié. Tu peux pas les lier, en fait. Parce que t'as vu, regarde le... Non, elles sont pas liées. Et de l'autre côté, c'était pas lié non plus? Non. Alors, on n'est pas obligé de les mettre à côté, on peut mettre la torche au milieu, regarde. Ah non, ça marchera pas non plus. Les textures correspondent pas. Par contre, Est-ce... il y a un truc ici, là. Cette pièce-là, elle ressemble un peu à la texture de celle-là, en bas. J'irais presque jusqu'à dire qu'on peut faire un truc du genre... Non, hop. Hey! Il y a un truc, il y a un petit truc Il y a là, un hein, petit déjà. truc là. Qui se pro... qui... Ça, c'est un bord, ça. J'ai découvert que j'avais une pièce de bord. D'accord. Est-ce qu'on pourrait pas la mettre genre là, peut-être? Attends, mais elles sont liées là, c'est bon. Enfin, non, elles sont pas liées. Enfin, pas vraiment en fait. Alors les deux, il y a pas mal de pièces qui sont liées entre elles, mais les autres, ça correspond pas trop. Moi, j'ai mis ça au pif. Ouais, je vois ça.
Attends, mais c'est... Celle-là... Là, elles sont liées, les deux duos. Bon, je fais des tests, hein. Ouais, ouais, vas-y, vas-y. Eh, hey, regarde. Quoi? Celle-là, là. Ici, elle passe parfaitement avec celle de la redstone. T'es sûr? Ah oui. Non, j'ai pas l'impression, moi. Bah si, regarde la jonction. Vas-y, entre on va enlever ce qu'il y a ici au milieu. Ah non, tu viens d'enlever ce que je voulais mettre, voilà. Ouais. Moi, je vais te montrer ce que j'ai encore. Regarde, bah regarde, attends. Ah non, tu y étais prêt. Ça correspond. C'est bon, ça, hein. Mais pas au-dessus. Et pourquoi il y a un carré, là? Il y avait un petit bout de... Ah, regarde, là, celle-là. Quoi? Si j'arrive à... Ah ah! Alors, du coup, je la mettrais en bas, tu vois. Genre, celle-là, là. Le petit carré rouge. Le carré rouge, je le mettrais là. Ça correspond. Du coup, celle-là, je la mettrais peut-être là. Vu qu'elles correspondent. C'est bon, tu viens de péter le cadre. Ah ouais, c'est pas grave, je peux le remettre. Ah. En effet. Tu vois, ça correspond, sauf que c'est pas bon. Sauf c'est qu'en pas bas... Bon, pourquoi? Parce qu'en fait, on va tout déplacer. Attends. Toc, 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 toc. Est-ce qu'on est sûr qu'il faut la mettre en bas, au fait? Je ne sais pas. Oui, on va dire que oui. Donc en fait, on va la mettre là. On va mettre le carré rouge là. On va mettre ça là. C'est toi qui l'as eu. Ah, c'est moi qui l'ai eu? Ouais, vas-y, remets-le. À côté du carré rouge, là, pour que ça corresponde. Laquelle? Je sais plus ce que c'était. Il y avait... C'est vrai que les tâches du carré rouge correspondent. Tu trouves? Non. Attends, je te montre les trois que j'ai. J'en ai que trois. Hein. Ah. Alors. C'est laquelle des trois? C'est pas celle-là, c'est celle-là. Toc. Tu vois, les tâches, elles correspondent. Effectivement. Ah, sinon, on peut le mettre. On peut faire l'inverse. On peut mettre en haut aussi. De ce que je vois, c'est que pour moi, ça me fait penser à... Ça me fait penser à rien du tout, moi. Si on enlève ça, moi j'enlèverais ça, tu vois. Et soit celle-là... Ah, si j'arrive à cliquer. Ah, vous avez cliqué avant. Ça... Mais qu'est-ce que c'est le carré rouge? Je sais, j'arrive pas à voir ce que c'est, ce fameux carré rouge. Est-ce que c'est censé avoir du sens? Oui, sûrement. Oui, j'irais pas jusqu'à dire que... Ah. Hé, hey, regarde! La pièce au coin, elle est liée, hein. Attends, mais y a combien de pièces avec du noir, en fait? Il y en a trois. Je comprends pas, c'est du délire, hein. Attends, j'en ai récupéré une. Oh, c'est pas lié, là. Non, c'est pas lié. Essaie de lier le noir, plutôt. Ah, il y a celle-là aussi. Il y a quatre pièces avec un petit bout noir, en fait, là. T'as elle, enfin, t'as les deux là, ici. T'as celle que t'as posée là, et t'as celle-là. Ah, du coup, c'est plus comme ça, regarde, je pense. Regarde, genre, toc. Sauf qu'en fait, c'est pas bon. Vas-y, pose celle qui a le bout noir, là. C'est toi qui l'as, je crois. Ouais. Vas-y. Là, ça lit. Et de l'autre côté, vas-y. Là, ça lit aussi. Tu vois, là, on a réussi à lier plein de pièces différentes. Mais ça refait toujours pas. Désolé l'image. Pour le super achievement. Attends, du coup, il y a peut-être une pièce dans celle-là. Il y a une pièce qui me dit quelque chose, en fait. T'as quoi comme pièce sur toi, là? J'ai ça. Ah, tu viens de faire une liaison, là. Ouais, j'ai ça. Et ça, c'est ça aussi, voilà, c'est celle-là que je cherchais. Et j'ai ça. On n'est pas trop mal. Qu'est-ce que ça représente? Moi, je comprends pas qu'est-ce que... Ah, si, ça fait une tête. Des œufs, c'est des yeux au milieu. Ah bah, ils sont plus hauts, alors, à mon avis. Tu crois? Alors, à quoi correspond le carré? Ah, et les portes, c'est des dents. Ok, je pense que j'ai compris. Je pense que j'ai compris. Tu crois que tes yeux sont plus hauts, toi? Bah moi, je les aurais... Enfin, je les verrais plus hauts. Et dans ce cas-là, si je suis ton raisonnement, du coup,
Les torches et les lanternes en redstone, elles représentent quoi? La porte, c'est peut-être la couronne, alors, et les torches, c'est peut-être la bouche. En fait, ce qui est étonnant... Ça fait très cochon, en fait. C'est un cochon, tu crois? Et pourquoi il manque deux pièces, là? Ah, mais j'en ai deux. Ah bah vas-y, mets-les. Ah bah voilà, une liaison. Là. C'est pas mal, c'est pas mal. Est-ce qu'on pourrait pas tenter... On va tenter d'améliorer. On va tenter d'améliorer. Pourquoi ce carré rouge est là? Telle est la question. Il peut pas être là. Donc tu vois, moi... Non, c'est pas possible, regarde. Tu peux pas... Y a pas de liaison possible, là, ici. Moi, ce qui me perturbe le plus... Finalement... c'est ce carré rouge et c'est ces deux pièces-là, le carré blanc et le carré rouge. Sans blague, c'est un puzzle. C'est génial. Super. Hop, on va prendre un autre indice. Il nous reste trois indices, hein, faut faire gaffe. Il faut appuyer sur le bouton noir. J'aimerais bien. Il a dit faites les bords et puis appuyez sur le bouton noir. Mais les bords, on n'arrive pas à les faire. Moi, je m'en fous, j'appuie. T'appuies, il se passe quoi? Ah, on voit un truc de loin. Ah, mais tu le vois clairement autrement le puzzle en fait quand tu t'appuies dessus. Ça fait vraiment un mouton. Un mouton. Ouais, c'est un mouton. Moi, je pense que c'est un mouton. Hein. Et ouais, c'est un mouton des familles. Bon, est-ce qu'on remet les torches en haut alors? Déjà, on va essayer de faire les contours maintenant qu'on a le. Eh, hey, regarde! Il passe super bien celui-là, là. Bah là-haut, oui, bah c'était les torches qu'on avait mis là-haut. Comme celui-là qui passe super bien aussi. Sauf que c'était comme ça. Rien. Je suis pas sûr, moi je l'aurais mis de l'autre côté, tu vois. C'était comme ça, regarde. Toc. Toc. Ah oui, c'est comme ça. Okay. Bah la liaison elle est bonne. Hein. Ah ouais, la liaison est bonne. La liaison est bonne, mon capitaine, c'est pas ça. Par contre, là, ça. C'est... Ah, ça. Vas-y, mets-le là-haut. Ça va là-haut. Donc là, on est d'accord. C'est les bords qu'on n'arrive pas à faire. Là, le bord est bon, là. Ce bord-là est bon. Qu'est-ce que j'ai dans les mains, là? Le bord, on n'y arrive pas. Là, tu vois, ça correspond pas avec les yeux du bouton. J'ai plein de pièces encore. Bah si, j'en ai plein, mais... On essaie de faire la bouche au milieu, là. On va essayer de faire la bouche au milieu. Comme on avait fait au départ. Avec la langue? Ouais. Parce que j'ai un truc rose. Oui. Blurp. Hey! Oh, trop bien. Et c'est trop de l'art. Mais oui, c'est de l'art. De l'art et du cochon. Celle-là, elle passe pas. Oh. Attends, si je la mets là. Non, c'est pas ici. Putain, on retombe en enfance quand même. Ouais. Mais non, mais normalement, c'est plus simple et. C'est plus simple, normalement. Je suis sûr qu'on n'est pas. Il y a un truc qui va pas là. Attends, peut-être que celui-là, il se met là. Celui-là, il est pas bon. Ouais, il se met pas là. Qu'est-ce qui est pas bon? C'est bon là. Lui, non, il est pas aussi. Bon. Non, il est pas bon non plus. C'est toi qui les as ces pièces là, toi. Mais ça, c'est pas bon non plus. Regarde, il y a de la. Sur ce côté-là, ouais. Tu sais, on dirait qu'il y a des espèces de murs un peu pétés comme sur les torches. Bah en fait, j'essaierais. Ouais. J'essaierais plutôt de le mettre de ce côté-là, ouais. Ah, attends. Du coup, faire correspondre le noir. Ah non, parce que le noir correspond pas après. Ah, j'ai trouvé celle-là. Et si on inverse les yeux? Ah, ça peut pas être celle-là, non.
Tu les fais loucher? J'inverse les yeux, regarde. Tadam! Ça devrait nous débloquer déjà un petit peu. Putain, mais ouais, on est vraiment bête. Alors attends, je dois avoir le bout de redstone qui reste. Ah ouais! Ouais. Aha. Non, c'est pas celui-là. Plutôt là-haut. Ça. Aha! Bien! Aha! Ah, bah j'ai trouvé. Oh oh! On commence à avoir du quelque chose là, du concret. Ça correspond là ou pas? Ouais, ça fait bizarre parce que t'as vu que. Je suis pas sûr, je sais pas si ça correspond. Le coin a pas l'air. Celui-là a pas l'air bon en fait, de coin. Lui là. En haut à droite? Pourtant, c'est les effets de lumière qui font ça, je pense. Parce que là, ça paraît très très bien là. Là, ça paraît bien aussi. Ouais, non, la bouche, fallait la laisser, pas le choix. Ah, pardon. Ah, du coup, je me trompe, celle-là, ça doit se mettre là, sûrement. Ouais. Oh, pardon, je me trompe, attends. Parfait. J'ai l'autre. Ah bah super, là. Et on a quasiment fait les bords. Et... ouais. Bah ouais. Et ouais. Aha. Et ouais. On a quasiment fini, là. Et il reste quoi, là? Non, ça c'est un coin. Mec, c'est un coin ça. Mais là en bas à droite là. Ah, tu récupères. Pardon. Voilà. Stop. Vas-y, je vais checker. Vas-y, checker, vas-y. Oui. On a gagné. Attends, mais c'est quoi? Pourquoi il y a des panneaux là? D'accord. Du coup, il nous a donné un indice supplémentaire. Thomas, Bob, Sam. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ce coffre? Bah, c'est l'épreuve suivante. Oh là, ça a changé derrière nous. Par contre, du coup, moi je vais devoir. On va couper ici. Et je pense que ce sera un diversity en deux parties alors. Oh là là. Bah oui, parce que là, le temps passe pour faire tout ça. Non, celui-là il sera en deux parties. Mais enfin, j'accélérerai bien sûr les résolutions d'énigmes parce qu'il faut pas exagérer. Ou alors, en tout cas. En tout cas, on doit arrêter le tournage ici. Donc je sais pas s'il sera en deux parties ou en une seule partie, mais je fusionnerai les deux parties. Dans tous les cas, merci du coup Xef pour cette première partie. Il va falloir qu'on se tracasse un peu les ménages pour la suite. Et si jamais il y a deux vidéos, et bien d'ici la prochaine, et bien portez-vous bien. Allez, ciao tout le monde. Ciao.